Bonjour et bienvenue sur Nagata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Ben 10. Donc je suis en dual jeu actuellement, donc la première version Ben 10 et l'autre Ben 10 Power Trip. Du coup, je voulais continuer cette série parce que je la kiffe, elle est pas mal. C'est un jeu que j'avais raté, donc ça je vous l'avais dit dans le premier épisode. Donc on continue ensemble cette aventure. Donc petit gameplay de 10 à 20 minutes, le temps de terminer normalement un bout du jeu et on se retrouvera normalement pour d'autres épisodes. If you keep doing that, you're only gonna make it mad. If you want my advice, which I do not. Whatever. Just don't come crying to me when you get stung. After all the bad guys I've taken down, some of which are like a gazillion times the size of a bee, you should show some respect for my awesome moves. This seems like deja vu, or bija vu. But you really need to keep that ego in check, Ben. An inflated ego always gets in the way of success. Yeah, but this isn't about ego. It's about, yeah, bigo. Ben! Aw, oh, come on. That's A-game pun material. Not worried about puns at the moment. Ooh. Little help? The bug gang. Don't worry, Gwen and Grandpa. Allez, c'est parti. Donc si vous n'avez pas vu les deux autres épisodes, bah allez-y avant de voir celui-ci. Là on continue l'histoire. I can take you with 10 aliens tied behind my watch. Donc du coup je sais pas en quoi je vais me transformer, ça semble que j'ai des abeilles. On va rester avec celui-là, on verra. À distance c'est pas mal. Ok, super. Donc rien à voir avec le power trip, là où on est dans un monde ouvert, là on est vraiment dans un couloir. Ok. Ok, même pour toucher une, si, c'est bien. Je vais pas faire de corps à corps. Ok, bon. Là pareil, on peut pas diriger la caméra. Là mais je sais pas trop à quoi ça sert. Hop. Je peux pas aller plus loin. Par aller par là, je vois pas où on peut aller. Ah là-bas. Y aller. Essayer de changer un peu d'alien, voir. Non, celui-là je le sens pas trop. On va essayer celui-là, peut-être. Ah. Du coup, ça, si vous vous rappelez, ça va nous permettre un boost.
Là, on a 1200. Puis chaque ennemi pris dans une augmente le dégât du laser. Ok, végétal 1000. Ok, bah il reste plus que lui, on va prendre lui. Voilà, comme ça, on va essayer de monter tout le monde. Pareil. Peut-être se prendre la tête. On va détruire ça. Donc là, si c'est fermé, c'est qu'il y a battle. Le fait de l'avoir à distance, c'est super bien. Voilà, super. Donc là, on pourra, si on veut, activer son pouvoir. Ah, ok. Oh, nickel. Ça, c'est une astuce qu'on avait déjà vue. Oh là, il y a du monde là. Ça c'est fait, on est tranquille. Je sais pas ce qu'il fait. Ça, le fait de les avoir à distance, c'est nickel, ça nous permet de les prendre vraiment de loin et de pas se prendre tout ce qu'on veut, et on peut même s'écarter. D'accord. Blazing trails, that's my specialty. Oula oula. Coincé tout seul. Non, là je peux pas y aller. Que je me serais coincé. Non. Nickel. Ah, un nouvel alien. Oh, autant pour moi.
Aline débloquée, améliore à débloquer. Ok, bon, on va voir avec lui ce que ça donne. J'ai hâte de l'augmenter celui-ci. C'est fait. Impeccable sa nouvelle attaque. Bon, comme ça c'est fait. On est tranquille. Ça a tout dévasté. Ça c'est vraiment vraiment excellent de pouvoir faire ça. Donc là on a amélioré. Hop, nickel. Mais par contre j'ai oublié de lire les ennemis vaincus. D'accord. Comme ça c'est fait. Nickel. On a réussi à tous les avoir assez facilement. Et il manque plus grand chose quand même. Donc on a vu son attaque spé. Oula, utilisez votre capacité d'alien en tant que boulet de canon. Voilà, je peux l'utiliser en mode boulet de canon. On verra ça plus tard. Time to get to the root of the problem. Must be going the right way. Ah, lui, je l'adore à mort. Le fait de se déplacer super rapidement. On peut s'occuper de tous les alliés en même temps. Et hop. Rien ne lui résiste. Oh. Nickel. On les a super rapidement dans ce jeu-là par rapport à l'autre. Incassable débloqué entièrement fait de diamant, il peut transformer ses bras et ses épaules bloquées à partir de là. Ok. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Oh, excellent.
downward and upward. C'est quoi le délire? I'll try not to have an elevated opinion of myself. Ça c'est vraiment cool. De pouvoir faire ça. Get out of here. D'accord. Going up. Brains over biceps. Le petit alien. Incassable. J'aimerais bien voir ce que ça donne face aux ennemis. Pas l'air d'avoir trop d'ennemis pour le moment. Ah si, c'est bon. Allez, c'est parti. Hop. Ouf, du lourd. Du vraiment très très lourd là. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi le dans les commentaires. Là, je sais pas si je vais pouvoir augmenter. Du coup, j'ai pas lu. Les ennemis laissent plus de frites au chili. Ouais. Peut-être mieux comme ça. Making pretty good progress. Punks like you are a diamond a dozen. Vraiment puissant ici celui-là. Je le fais pour rien. C'est fait. Et il nous manque plus beaucoup d'aliens quand même. Hein. Encore deux, puis c'est bon. Et ben voilà, niveau terminé. Impeccable. Donc on va se laisser sur ce troisième épisode. On se retrouve très prochainement pour l'épisode 4 de Ben 10. On va continuer l'aventure ensemble. Je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.